salut à tous, c'est Kairos, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Vanguard. Et oui, je sais, j'avais dit que je ne retournerais plus sur ce jeu-là, mais il y a Shipment en mode Noël qui est sorti, donc je me suis dit, on va aller faire un petit tour, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, et aussi parce que, en termes d'autres jeux, il n'y a pas vraiment grand-chose. J'ai tenté de retourner sur Battlefield 2042 pour faire du maître d'armes, ils l'ont retiré. Wouhou! Et également, on va dire que l'état de Warzone actuel est un petit peu comme ci, comme ça, une game sur deux, le jeu il crash et l'autre game t'as le Krampus qui vient te casser des glaouis. Donc du coup c'est vrai que des fois tu dis bon, on voudrait tenter d'autres jeux, on voudrait faire d'autres choses, mais en termes de panel, il n'y a pas vraiment grand chose. Et je sais pas pourquoi je parle comme ça, mais bref, vous savez, quand je suis sur le multijoueur, souvent c'est un petit peu n'importe quoi. Donc du coup Shipmas, donc je crois que c'est Shipmas, ouais c'est ça, c'est genre Shipment en mode Christmas, et donc c'est bientôt Noël, voilà, tout simplement. Donc je me suis dit un petit peu de multijoueur, même si c'est vrai que c'est le jeu que c'est un petit peu l'état général, que ça soit du multijoueur, que ça soit du Warzone, que ça soit, bon, on n'en parle même pas du zombie, le zombie il est inexistant. C'est un petit peu très très faible. Et du coup j'ai fait une classe également avec le PTRS qui est le nouveau sniper de la saison 1, que j'ai pas vraiment testé en multi. Je me suis bon, finalement c'est une bonne petite occasion, et en tout cas le délire est plutôt sympa. Ok, il m'a volé mon kill, il me l'a volé. Par contre, peut-être qu'il y a, je sais pas s'il y a un passe-passe là-dessus. Ça peut peut-être valoir le coup éventuellement. Oula, attends, il y a un gars là, il est mort. Et le PTRS, pour l'avoir testé en match privé quand il était sorti, c'est vrai que je crois qu'il te one-shot mais dans n'importe quelle partie du corps. Tu vois, c'est vraiment, c'est l'arme la plus puissante du jeu, techniquement. Donc... Ah, ok, c'est peut-être malaisant. Ouais, mais attends, mais... Ah ouais. Ah mais attends, mais il y a un gars là. Ah oui! Ah mais attends mais... Wouah! C'est quoi ce délire? Je comprends rien à ce qui se passe! Joyeux Noël! C'est le bordel! Attends, il y a peut-être des mondes qui va arriver là, non? Je sais plus. Mec, le multijoueur, j'ai pas joué depuis un moment. Je crois que ça fait vraiment un moment que j'ai pas joué. Et je m'en suis pas trop mal porté jusque là. Mais du coup, voilà. Petit shipment Christmas. This Christmas! Attends, c'est un gars ça? Ah, ok. Ah oui, d'accord. Ah, mais arrête! C'est quoi ce délire? Je respawn sur le gars! Mais c'est quoi? Attends, qu'est-ce que c'est que ces carabistouilles là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah ouais, non mais je vois que depuis que je suis parti du multijoueur, y a rien qui a changé. C'est toujours n'importe quoi. Non mais y'a des gens qui jouent vraiment là-dessus et qui s'amusent, non? Non, soyez honnête. Parce que la map elle a l'air cool en vrai. Mais le truc c'est que... tu oses même pas bouger. Tu bouges, t'es mort quoi, non? Il y avait un elf là, je crois. Attends, recharge. Voilà, c'est long le rechargement. Bon, généralement t'as pas le temps de recharger, t'es mort avant, mais bon, quand même. Voilà, bon. Attends, y'a pas un truc pour recharger vite là? Y'avait pas C'est quoi ça? Recharger rapide à vide. Hein? Ouais. Sinon, y'a chargeur. Ouais, on peut essayer. De toute façon, quitte rien. C'est plus lent pour viser. Ouais, on va voir. Bah, vu que je mets des balles à côté, tout ci, tout ça, on verra bien ce que ça donne. Attends, y'a un gars qui campe là? Eh les gars, c'est pas parce que c'est Noël qu'il faut rester en train de camper, hein. Bon, mec, attends, y a un truc, vraiment. Généralement, quand tu vas sur le multijoueur, t'as vraiment l'impression que tu prends ton cerveau, tu mets de côté, et tu dis, j'en ai plus besoin. Là, c'est... Oh, mais attends! Hé, hey, regarde. Je sais pas ce que j'ai fait, hein. Mais je l'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'aime bien parce que même dans la killcam, le jeu te montre à quel point il est... On va pas... Non, je vais pas critiquer, c'est pas mon genre. Je pense qu'en termes d'état général, que ça soit Vanguard, le multijoueur, que ça soit le multijoueur, que ça soit, comme j'ai dit, le zombie, c'est une catastrophe. Hein. C'est une catastrophe. Mais là, avec la nouvelle map Caldera qui arrive sur Warzone, il y a également énormément de choses qui sont arrivées. Alors après, que tu aimes ou que tu aimes pas, c'est deux choses différentes. Hein. Mais en termes de stabilité du jeu, c'est une catastrophe. Et on parle même pas des gens qui sont sur les consoles, genre PS4 ou quoi, pour qui apparemment c'est vraiment un calvaire.
faire. Actuellement, je veux dire, l'état du jeu, encore heureusement qu'il y a l'anti-cheat, mais même là, j'ai entendu des gens qui me disent, ouais, j'ai vu des cheaters et tout, donc bon, après l'anti-cheat, c'est pas une perfection. On sait très bien que c'est pas parce qu'il y a un anti-cheat qu'il y aura pas de cheater. Il y aura des cheaters. Ouh, point stratégique, shipment. Oh, ça peut être intéressant. L'état du jeu en règle générale, et même, j'ai envie d'aller un peu au-delà de ça, l'état des jeux en règle générale, c'est pas que Call of, tu vois, c'est pas une généralité. Je veux dire, on attendait tous Battlefield en disant, ouais, Battlefield, ça va tuer Call of Duty, etc. De toute façon, c'est simple. Un jeu en règle générale, plus la hype elle monte, plus le jeu va te décevoir. C'est logique, c'est comme ça. On verra ça après. On va essayer de faire des petits kills. Je sais pas ce qu'on fera, mais on le fera. Ouais, ok. Il triche. Ouais, il triche, c'est le mec. D'abord. Mais. Hein ? Mais. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe ? Allô ? Maman ! Arrêtez ! Mais quoi ? Mais attends, mais. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais... Non mais attends, quoi? Attends. Toi, ouais, on les connaît les cafards avec leur carapace de merde là. Ah, hein, je vais pas dire de gros mots parce que c'est pas le genre. Mais qu'ils aillent bien se faire têter les yeux les gars. Attends, mais les gens jouent volontairement là-dessus? Non parce que moi je sais pourquoi j'ai arrêté mais les autres pourquoi ils continuent? Parce que c'est la vraie question qu'il faut se poser. Oh là là! Non mais... J'ai envie de rester dans un coin puis bouger. Ok. J'en ai aucune idée. Mais ne me demandez pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que dans le... comment je m'appelle? Ah mais attends, mais il campe. Oh mais quel enfant de merde, il campe. Oh. Alors attends. Attends. Laisse-moi aller voir. Allez, viens là. Non. Alors attends. Je vais faire un petit aparté parce que je sais que la dernière fois que je l'ai fait. Ouais, mais le Sky 11, de toute façon, tout le monde aime plus Warzone. De toute façon, t'es plus trop multijoueur, il faut se rendre à l'évidence, etc. Mais arrêtez! Mais cassez-vous, c'est quoi? C'est pas du multijoueur ça! C'est de la torture! Non mais. Oh! Bien sûr que je suis toujours multijoueur, mais quand tu vois ça, tu peux que te poser des. Bah, posez-vous les bonnes questions! Non mais arrêtez! Ouais. Alors, c'est un fusil anti-char. Par contre, le bouclier, sans problème, il te tape la balle. Hein. Ouais. Bah ouais, mais il devrait faire les chars de même matériaux qui font les boucliers. J'ai envie de te dire parce que ils sont complètement à côté de la plaque, ces pauvres cons. Ah non, mais lui, par contre, je crois que. Oui, voilà, ok. C'est quoi cette killcam là? Mais pourquoi je parle aigu comme ça? C'est quoi cette killcam là? Y'a un gars là? Non. On voit rien. Oh là là, mais quelle horreur! Quelle ignominie! Quel scandale! Oh, mais quelle souffrance! Mais que se passe-t-il? Mais arrête! Non, en vrai, non, attends, alors, question sérieuse. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui, je veux dire, volontairement, consciemment, je veux dire, des gens, bon, pas des psychopathes, hein, des gens équilibrés mentalement? Parce qu'à l'époque on jouait beaucoup. Par exemple, une balle de PTRS pour le chien c'est bien parce que d'habitude le chien je peux dire qu'il encaisse. Hein. Non mais attends mais c'est impossible. C'est impossible. Et ta musique de merde de Noël qui m'énerve. Non mais le mec il te met une musique joyeuse là pour un truc où t'as envie de t'arracher les dents à main nue. Non mais. Regarde-le cet enfant de merde. Non mais c'est pas vrai. Non mais attends, mais pourquoi je suis fait ça? Pourquoi je suis venu là? Attends. Mais arrêtez. Arrêtez, tu peux pas dire ouais non mais Sky Rose, de toute façon t'es plus trop multijoueur. Non mais arrêtez. Non mais arrêtez, attends, mais regardez-moi ça. Ok, bon c'est vrai que je joue moins au multijoueur. Oui, c'est vrai. Mais ça c'est pas du multijoueur, c'est de la torture. C'est un supplice. C'est de la merde. Regarde-moi ça, cet enfoiré là. Il passe son temps à camper là. Attends, on va essayer de se concentrer. Oh ben. Ok. Non.
C'est pas possible. Ah là là. C'est pas possible. Allez, regarde, regarde-le avec sa carapace, là, l'autre cafard là. Ah, pour moi, les mecs qui sont avec les boucliers, c'est les pires. C'est vraiment la pourriture du jeu, c'est ça. Non, mais il faut être honnête, hein. Les mecs qui défendent en mettant ouais, monsieur. Non, 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 y a aucune défense possible. Oui, c'est le jeu. Oui, c'est ce que les gens font. Mais c'est vraiment des ordures. Tu l'entends l'autre? Ah ouais, je sais plus, je bouge pas. En plus, tu vois là où c'est vraiment. On va dire. Pardonnez-moi le mot parce que bon, c'est vrai que je suis pas. Ah, c'est de la baisse! Voilà, désolé, mais j'ai dit un gros mot. Voilà, c'est la première fois sur la chaîne. Parce que. Ils font des maps tout petites sur lesquelles tu peux viser avec n'importe quelle arme instantanément, tuer en deux balles. Vraiment sans aucun problème. Par contre les snipes ils disent tiens on va mettre 3 fois plus de temps pour viser. Ça fait aucun sens. À ce moment là retirez les du jeu les gars. Franchement si à la limite sur un Warzone tu dis bon ok voilà c'est plus long à viser. Bon ouais, allez mais sur une map comme ça, ça fait aucun sens. Voilà c'est moi. Elle était pour moi celle là les gars. Je la prends personnelle. Ah. Regarde le cette merde. J'ai fait quand même quelques petits kills là. Hein ? Super carnage ! Je crois que. En vrai, je pense qu'il doit y avoir un truc, tu vois. Il devrait mettre une hotline d'hôpital psychiatrique ou un truc comme ça. Vraiment ! Non mais vraiment, il devrait faire un truc comme ça. Je veux dire, pour un shipment comme ça, il devrait y avoir en bas ou dans un coin, tu vois. Tu prends le côté que tu veux, tu vois. Mais d'un côté du gameplay. Il devrait y avoir le numéro d'un hôpital psychiatrique. Parce que techniquement, tu peux pas passer plus d'une heure sur cette map là sans devenir fou. C'est pas possible. Humainement parlant, c'est pas possible. Si jamais tu deviens pas fou, c'est que quelque part, t'as un problème. En fait, c'est un bon test. Tu dis voilà, y a un problème. C'est moi qui ai le plus grand nombre d'éliminations multiples. Mais votez pour moi, les gars, faites pas les aveugles. Enfin, vous avez pas vu la prouesse, le gameplay, l'exception que j'ai réalisée. La question que j'ai envie de vous poser. Pourquoi? Ouais, ils ont reconnu tout de suite. Hein. J'ai l'impression d'avoir fait la pire game de toute ma vie, mais je suis quand même élu meilleur joueur de la game. Ça, c'est le bonheur de Vanguard. C'est ça. Non, mais quand tu y penses bien. Alors, la map, elle est cool en mode Noël comme ça. Elle est cool, tu vois, il y a les petites lumières, les petits paquets cadeaux, c'est sympa. Vraiment, l'idée est super cool. En plus, la map, elle est, j'allais dire, gratuite pour tout le monde. Bah, il manquerait plus que ça non plus. Le jeu est payant. Oui, bon, ok. C'est vrai que on pourrait être payé pour y jouer. Vraiment, on pourrait être payé. Et après, tu sais pas, t'as envie de parler de choses. Tu dis, tiens, j'ai envie de parler de ci, j'ai envie de ça. On sait très bien qu'aujourd'hui, l'état général des jeux, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a des fois, des gens qui disent, ouais, mais pourquoi tu boycottes pas ou pourquoi t'arrêtes pas aussi ou ça. Pour jouer à quoi, les gars? Y'a rien. Y'a R. C'est tout. Y'a R. Y'a rien. Y'a R. Y'a. C'est la Bérésina. Y'a pas un mec qui campe là? Y'a forcément un kick. Attends. Quoi? Mais attends, mais on a respawn là. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Allez, crève un peu, ordure satanique. Attends. Oula. Regarde le gars. Je sais qu'il y en a là. Non, c'est pas juste. C'est quand même moche comme gameplay. Hein. C'est quand même hideux. Hein. Avancer en visant comme ça. Mais mec, attends. Le snipe, il vise en 600 millisecondes. 3 fois plus que n'importe quelle même mitrailleuse. Arme lourde. Tu vois, on parle pas d'une SMG. On parle d'une arme lourde. C'est honteux. C'est honteux. Oh, mais attends, mais il y a un gars là. Et le bruit du lutin est très très bon. Hein. C'est vraiment. Quoi? Ok. Ok. En vrai, il devrait y avoir un truc, genre quand tu tues les gars là, ils disparaissent en paquet cadeau. C'est en explosant. Tu vois rien. Non, mais les cherche pas, regarde, tu vois rien. Alors regarde, t'as vu comment ça vise instantanément? Rien. Hein? Voilà. Ça tue aussi vite. C'est ça le truc, c'est que tu dis, ouais, toi tu tues en une balle. Ok, mais bon. C'est pas un cadeau non plus. Hein. Et ça peut être Noël, c'est pas un cadeau. Hein. Est-ce qu'il y a des gens là? En plus. En vrai, comme c'est long à viser, c'est ça, ça force le gameplay moche. T'es obligé d'avancer en visant.
Ah ouais, d'accord, ok. En fait, tu vois rien. Elle est sympa, mais Regarde-moi ça, cette petite enfoirée. Il s'est pris sa petite tête. Ah non, 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 mais non, 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 non. Non, 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 non. Non, mais attends. Eh, franchement, je voudrais faire un merci spécial pour les gens qui sont encore là en train de regarder la vidéo. Je voudrais vous remercier parce que vous avez du courage, les gars. Non, mais pourquoi? La question, encore une fois. Pardon. Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous regardez ça? Pourquoi vous regardez quelqu'un souffrir? C'est pas bien. Tiens, t'accasse-toi, toi. Bah, l'autre, il était en train de camper, là, c'est sûr. Regarde. Non mais les gars, non mais arrêtez. Non mais c'est trop. J'en ai eu un, je sais pas, c'est pas lui. C'était pas prévu. Il y a un contretemps. En plus avec le bruit du lutin qui rigole, c'est abject. Hein. Pour peu qu'il y ait le Krampus là qui vienne te casser les... Il y avait peut-être un truc. Il y aurait pu. Bon, je sais pas. Après c'est shipment mec hein. Tu le sais, hein, quand t'arrives là, enfin, en vrai, je pense que c'est ça. Mais la raison qui peut pousser quelqu'un à jouer sur shipment, c'est quoi? Moi, je suis venu là parce qu'on m'a dit shipment Noël, etc. On m'a dit, ouais, c'est super cool, la mise à jour Vanguard, elle est géniale. Regarde, mec, le jeu est sorti depuis un mois et demi. Ce bug est toujours là, où on voit personne. Je te dis un truc, hein. Les gars, ils ont sorti Vanguard, ils sont partis en vacances. Ils ont dit merci les pigeons pour avoir acheté le jeu, mais nous on s'en secoue les brugnons. Une mise à jour, il y en aura peut-être une, il y en aura peut-être pas. On ne sait pas, on s'en fout. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils s'en secouent les brugnons, mais total. C'est-à-dire que là, j'ai cru entendre qu'il y a que quelques jours, ils ont enfin corrigé le truc où tu ne pouvais pas avoir... Attends, on va les vérifier. Oh, il y a un mec qui a voté pour moi. Oh, frérot. Attends, on va les vérifier. Attends. C'est super intéressant et important. Il y avait pas mal de problèmes sur les défis pour débloquer les camouflages, et notamment la STG-44. Pour ma part, la STG-44, j'ai jamais pu débloquer les camouflages dessus parce que ça ne fonctionnait pas. Tu vois, tu faisais les émulations, les camouflages ne fonctionnaient pas, mais il y avait des gens qui pouvaient, tu vois. En gros, tu fais des kills, tu débloques le camouflage, il y en a oui, il y en a non. Pourquoi? Alors ça, on ne sait pas. Et là, il y a que quelques jours, ils ont enfin réglé le problème. La vraie question, c'est du coup toutes les éliminations que j'ai réalisées, parce qu'il y en a quand même 400 à faire, je les ai dans le où elles ont traqué quand même. STG 44, elle est là. STG 44, nous avons le défi personnalisé. 0 sur 10. Ah non, 24. Donc ils ont mis plus d'un mois. C'est là où je voulais en venir. Je vais pas m'énerver parce que ils ont mis plus d'un mois à patcher un truc. Pour moi, ça dépasse l'entendement, quoi. Là, on parle d'un studio AAA. On parle d'un studio les plus célèbres du monde du jeu vidéo et les plus riches du monde du jeu vidéo. On parle d'un des jeux les plus vendus chaque année dans le monde du jeu vidéo. Mettre plus d'un mois à régler un défi à la con pour que au final tu doives tout refaire. Parce que bon, ouais, mais évidemment, je suis niveau 70 sur l'arme. Tu crois que je suis niveau 70 en ayant fait que 24 kills? C'est une honte, c'est un scandale. Et ça, c'est juste un petit point parmi une grande liste de choses qu'on pourrait énumérer qui ne vont pas, que ça soit sur le multijoueur, sur le zombie et dernièrement sur le Warzone. La liste, elle a fait un petit bond comme ça d'agrandissement assez exceptionnel. C'est pas glorieux, hein, pour l'avenir de Call of. Et après, tu te dis, ouais, bon, tu joues pas. Bah, si tu joues pas, tu joues à quoi? À quoi vous jouez? Alors, il y a toujours un petit jeu solo que tu peux faire de temps en temps, mais quand t'aimes jouer en multijoueur, quand t'aimes l'adrénaline du Battle Royale et que t'aimes jouer avec tes potes, tu joues à quoi? C'est la vraie question. Bref, c'est tout pour la vidéo. Et la souffrance, on peut dire ça comme ça. Mais en tout cas, j'espère que vous avez passé un moment. Vous savez, c'est épouvantable. Vous savez bien que c'est tout le monde, bien évidemment. Comme j'ai dit, un petit pouce bleu, c'est la récompense. Abonne-toi, active la notification également, ça fait vraiment extrêmement plaisir, ça aide énormément. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que de bonnes choses, et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.